On commence cet épisode en beauté avec un Orbi très en forme. Merci beaucoup BNT, c'est adorable. Ensuite ta mère toi. Ensuite ta mère aussi, et toi aussi. Ah ouais, bon attends, lui il est juste knock lui, mais... Trois petites balles bien piquantes. Salut tout le monde et bienvenue sur Warzone France. On se retrouve en ce jeudi pour un nouvel épisode avec du lourd, du très très lourd même. Pensez aux petits likes, mais aussi à nous envoyer vos clips via le formulaire en description. Et nous, on enchaîne avec Apache, en direct du goulag. Oh, attends, avant de me tuer gros, c'est le vrai ou c'est pas le vrai? Ouais mon gars. Donc, ah, ça fait plaisir. En vrai, on tombe rarement sur des gens qui jouent, mais c'est bien, je suis content. Vas-y, tu peux y aller, frère. Mais t'es un bon frérot, toi. Non, vas-y, tu joues bien, toi. Ah, ouais. Je respecte si tu veux. Oh non, non, t'inquiète, vas-y, joue. Je suis à calme. Non, mais je suis à 3, gros. Je joue pas comme toi. Vas-y. Vas-y, mon bro. La guerre, c'est pour les guerriers. Oh, on a perdu tous les deux. Retour à la base. Mais non. Oh, on a perdu tous les deux. Oh, on a perdu tous les deux. Dommage que ça se finisse comme ça, mais le clip était vraiment sympa. On change de registre, avec cette fois-ci un très joli massacre, signé Khonshu. Oh my god! Oh, mais ça, ça va passer sur Warzone France, mec. Ça, c'est sûr. Oh my god! Oh là 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 là, ce que j'ai mis! Oh, mais je fais un bisou à Vince là, les gars. Merci pour la dédicace, ça fait plaisir. I'm coming! I missed! I'm so bad! You are better than me! No, you can do it. I give you permission to... Do you have self-revive? Oh yeah, I have! Can I? Yeah. Oh, thank you, that's so kind. Largage tactique allié imminent. Bah, laissez-moi animer, sympa. Sympa le type. Et vous allez voir que ce n'est pas la seule fois où il va tomber sur lui. Du côté de l'Aria, ça organise des courses-poursuites dans les bâtiments de Vandel. Vince, tu me gênes? Il a un PV. Et va monter. Moi je suis blindé au cas où, si vous voulez. Il descend. Putain, mais meurs! What the fuck? Mais meurs! Putain, mon gars, genre, il est niveau combien ce mec? Ça aura été difficile, mais au moins c'est passé. Et d'ailleurs, chez Shoachin aussi, ça va être compliqué. Mais vas-y, trouve 2500 balles et je te l'achète, tu vois. Vas-y, bah. Il y a plus de chance, hein. Bah, il est très finard des voisines, non? Non, on va tuer des clans. On enchaîne et on retrouve Tomaki qui va avoir droit à quelques conseils. Just the two of us. Na, it's you again! You are too good for me! You are way too good for me! I can't do anything against you! You jump! Like, don't jump! Like, aim in before you move in! Like, I already aim in where you're trying to come! Oh! So, like, yeah, don't do this! Just do this! I'll try! Yeah. Can I revive? Yeah. Thank you! Ça me fait rire parce qu'il me prend pour son petit, comme si j'avais genre 0,30 de KD, il a 1,68, j'ai 5,22. Un coaching qui peut-être lui sera utile. Non! Oh non, il est pas fan. Allez hop, ça c'est fait. Pour ce qui est de physique, tout ne se passe pas très bien sur Fortune Ski. Je vais péter mon crâne. Hello man, I am back again. Un très joli retour Windows, bien violent. Pendant ce temps-là, Movi faisait rager un ennemi. T'as eu, c'est vrai.
Go. Bah non, tu fais rien du tout. Tu vas foncer toi. Arrête de team lag. Tu fais la ranquette. Arrête de team lag. La vie de ma mère. J'adore ton cul, mais arrête de team lag. La vie de ma mère est team lag, frère. Attends, t'es en train de team lag ou pas? Ouais, je suis en train de le team lag. Parce que je l'entends dans le micro de l'autre. Non. Continue, je te signale, c'est bon. Mais tu peux signaler le compte, il est béni. Le compte, il est béni, vas-y. Quoi? Vas-y, report, le compte, il est béni. On change de carte et on retrouve Apache 6, qui était tombé sur un joueur totalement perdu. Yo, what's up, bro? What are you looking for? Allo, allo, do you have a microphone? Yo, brother. Yo, stop shoot. You have microphone, bro? Burn. On espère pour lui que c'était sa première game, car sinon c'était franchement inquiétant. Une fois n'est pas coutume, la communauté Warzone, et de manière générale la communauté Call of Duty, a déposé une nouvelle réclamation en quelque sorte auprès des développeurs. Cette fois-ci, les joueurs en ont marre des skins farfelus à la Fortnite. Ils estiment que Call of Duty mériterait d'avoir des skins réalistes, plutôt que des opérateurs colorés, avec des licornes ou encore des ailes géantes de papillons. Selon eux, des skins réalistes se vendraient bien mieux que ces skins colorés dans la boutique. Alors peut-être que je me trompe, mais à en croire les apparences d'opérateurs que je vois dans mes games, on dirait bien que ce sont plutôt les skins colorés qui se vendent le plus. Dans tous les cas, vous le savez, votre avis nous intéresse, donc dites-nous tout ça juste en dessous, dans l'espace des commentaires. Allez, on avance dans l'équipe du jour et on trouve Dark Demon 73. Une superbe fin de partie qui se solde par une victoire. Chez Punkill, pas de victoire, juste un massacre. Je leur fais du dégueulasse. Ah ouais? Ouais. Franchement, you can buy, non? Alors j'ai une classe full mobilité, plus je suis en position tactique, plus je ramasse le truc mobilité là. Oui, donc là tu... Donc là ouais, je suis Oh. Ouais, vous rêvez pas. Maintenant, allons voir ce qui se passait sur le stream de Norby. Parfait frérot, bien joué, la pute de puce. Largage tactique allié imminent. C'est toi la pute de puce. La petite pute de puce. Arrête. Quoi? Mais... Frérot, t'as vu ce que je viens de voir là? Attends, t'as vu ce que je viens de voir? Frérot? Hichem? Hichem? La conne de foutre des morts! Oh non! On me tire, on me tire! Bah ouais, nous tire, ce jeu de fils de paix! Bon bah, je crois que pour le colis, on repassera. On
on continue avec notre ami Punkill et un clip comme on les aime. Ah, c'est donc toi qui as créé 5000 bots? Oui. Les gars, je suis full mort. Je vais en faire un play Zach Sevenesque. Harry Potter, Harry Potter. Non mais je... putain je... Là je suis blé d'année. Wesh les gars, je vous ai explosé. Oh, les mecs ils m'appelaient Harry Potter gros, les mecs en face là. Après tout, pourquoi pas. Pour ce qui est de sexy, ça tente le beau jeu. Attention, écoutez bien. Ah, ce qui m'a mis gros. C'est qui ce mec là? Inter. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est vous, moi aussi je me pose la question. Qui est ce mec? Il est fort, il se déplace comme... Oh. Oh là là, non mais c'est pas possible, mais il est inhumain. Il y a trop de team, moi j'étais barré. Nice. Il nous a lavé les trois, frère. Zach, il a fait des mecs qui s'est lavé en deux secondes. Des devs comme pareil, ça fait franchement plaisir. On enchaîne avec Apache, et une fois n'est pas coutume, il va rouler sur tout le monde pour la fin de game. Éliminé. Lance un fumigène. Soldat ennemi en approche. À terre encore pour le tour. C'est pas à moi qu'il fallait mettre le Semtex. Oh shit, t'as fait mal, non? Il m'a fait trop mal. A ta gauche. Un down. Oh. GG Apache. Vas-y, vas-y, le dernier. Y'en reste qu'un, y'en reste qu'un. Il est là-bas. Au même moment, Punkill s'en prenait plein la face. Ah, mais putain. Écrasé, frère. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Oh, le monde qui a... Eh, je l'ai, la valise. Il y a une bêtise, il y avait une bêtise. De pute. Une technique franchement vicieuse. Oh attention, ça va couper. Moi je te parle d'un coup par coup là, c'est qui était méta. Un coup par coup j'aime bien par contre. Il dit toujours. Et là non plus on va rien dire. Du côté de physique, ça tentait une nouvelle méta. L'argument c'est quand même que ça touche l'autre hein. C'est nul! Comment c'est naze! Plus jamais j'écoute le chat! C'est pas mal! Deux balles pour tuer! A l'inverse de physique, chez Skyzer, tout est sous contrôle. Merci. Oh la balle! Allez, en retendeur physique, toujours sur Fortune Skip. C'est quoi cette arme de merde, MTZ260? J'ai la même, hein. Erox ! Il est où le pote d'Erox ? Allô ? C'est toi le pote d'Erox ? Erox ! Ne viens pas, je vais t'éclater, Erox ! Je vais t'éclater ! Ne rentre surtout pas dans la pièce! Je te le dis! Bah ouais, mais merde!
Ah non mais... Moi, je préviens, hein, je suis vraiment bienveillant, tu vois. Et c'est donc sur cette dose de rage que cet épisode se termine, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pensez franchement à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde.